Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis premier du serveur. Comme d'hab, je me connecte à n'importe quel serveur, je suis toujours premier. Et ce qu'on peut voir ici... Alors, je sais pas du tout comment on descend, on m'a jamais appris ça. Ah, comme ça. On peut voir qui est 88e. Alors, je pense que j'ai augmenté, hein, vu que je suis trop fort. 23, c'est moi, ça. Nous pouvons... D'où c'est pas moi. 86e. Merci, ouais, je sais les félicitations. Merci, merci. Ouais, non, je sais, personne qui me félicite. Voilà. Je répète. C'est global. Je suis. Aidez-moi, qu'est-ce que je viens de faire? Je suis 86e mondial. Ce qui est bien, moi, avec le top des petits serveurs, c'est que regardez. Je monte un peu. Ah, c'est la résultat. Je monte juste un tout petit peu et je peux déjà dépasser des gens. Donc c'est ça qui est cool. C'est que là, genre, je fais une mission et je gagne 3 places. Donc c'est bien, hein, quand t'es petit dans le placement. Il n'y a pas beaucoup besoin d'up. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils regardent, c'est les derniers combien ils ont. Et après, juste, eux, ils font un point de plus et ils se laissent là parce qu'ils se disent, ouais, c'est bon, je vais rester 50e. Alors que non, il faut bien tryhard pour rester au-dessus. Parce que quasi tout le monde se dit ça, vu que vous pouvez le voir que c'est extrêmement serré à 24. Du coup, faut bien farm, comme ça, vous êtes sûr de bien garder votre place. Parce que croyez-moi, si vous êtes... 100e ou 50e ou le dernier du classement, quoi. Et genre, vous avez un point de plus que l'ancien dernier. Franchement, tryhardez, les gars, parce que vous avez rapidement vous faire dépasser la place par d'autres personnes qui vont vous dire, qui vont se dire exactement la même chose. Ouais, c'est bon, il a pas beaucoup, du coup, je vais essayer de le dépasser, etc. Donc, les gars, farmez. Genre, moi là, fallait que j'aille à 117 parce que oui, il y avait un petit pélo là en bas, il avait augmenté d'un point. Donc là, j'ai farmé comme un... Pas comme un bourrin. Non, en vrai, j'ai pas beaucoup farmé. Mais quand même un peu, quoi. Du coup, bah voilà, je suis content. Là, je suis... Le circuit orange, c'est le meilleur. Enfin, sauf que tu tombes sur le circuit jaune. Ça, c'est vraiment le pire. Donc, bah les gars, j'ai... Les gars et les meufs. Il y a des filles qui regardent. Franchement, tryhardé. Voilà. Ça sert à rien d'être dans le classement et de se dire que personne ne va jamais vous dépasser. Si, il y aura toujours quelqu'un pour vous dépasser. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je vais toujours vous dépasser, là, je rigole. Imaginez, c'est moi. Imaginez, je ramène tous mes doubles comptes. Le premier de tous les classements, c'est mes doubles comptes. Là, c'est j'en ai plusieurs. C'est le gars, il a 22 excuses. Bon, alors, petite solution. Comment je fais pour gagner autant d'huile en si peu de temps? Parce qu'au final, en moins de 2 heures, je me retrouve avec plus de 100 huile. Et là, c'est très simple. Il suffit de faire le circuit orange H24. Et après, on s'arrête, tu vois. Même une fois, j'ai tellement fait le circuit orange qu'il y avait une team qui s'est mise avec moi. Et genre, c'est une team de 5 personnes. Du coup, à la fin, on se retrouvait à faire une 6 de 6 personnes. Enfin, une course de 6 personnes. Du coup, c'était drôle. Même à un moment, il y a quelqu'un, il est tombé. Genre, il a abandonné. Il a fait Havali. Un chemin là que j'adore. Voilà, ce chemin là. Là où ils étaient tous ultra serrés et d'un coup j'en vois un derrière lui, il arrive genre il arrive ultra vite et d'un coup il a loupé un saut. Oh là c'était comme ça. Paf, et là il s'est envolé là-bas. Du coup moi ça m'a fait rire, tu vois, je voyais s'envoler lui seul. Bonjour, il y a quelqu'un juste en dessous. Fais gaffe, tu fais face au 87e mondial. Tu devrais avoir peur. Genre tu devrais avoir vraiment peur mon gars. 124. C'est beaucoup 124. Là, je vais passer à 125. Si on me stoppe pas. Et let's go 125. Alors, prochain badge est à 250. Et je répète. 250. Là, je vais manger le micro, c'est pas très bon, un micro. Voilà, maintenant vous saurez que c'est pas très bon, un micro. Alors, je suis quelle pièce? Je suis quelle place? 84. J'augmente, hein. Je commence à devenir de plus en plus. Avoir de plus en plus. 125, les gars, vous devrez avoir peur. Parce que je suis le king de la course. Maintenant, je dépasse tout le monde. Non, c'est faux, en fait, c'est juste de la chance. Bon, si c'était plus t'as de vie, plus tu vas vite, je bats tout le monde. Hein. Même le premier mondial, je le fais.
Bon, après le premier mondial, je sais pas ce qu'il a fait. Le jeu a été créé il y a un mois. Il y a un mois, il était absolument pas connu. Et surtout, il y a un mois, il n'y avait pas de truc de win. Genre, le truc de win, il est venu il y a pas longtemps. Enfin, je pense, il y a pas longtemps. Je vais me casser les dents là, je suis atterri sur un autre circuit. J'ai dépassé un gars alors que je me suis incrusté dans un autre circuit. Donc, je sais plus ce que je viens de dire parce qu'il y a un gars qui m'a sauté dessus, du coup, il m'a fait peur. Je sais plus ce que je vais dire. Mais je voulais dire un truc pas très intéressant. Enfin, j'espère, parce que sinon j'ai le seum. Oh bon, bref, tryhardé. Moi, je vais gagner des places, hein. Ça sera cool. Je vais passer de 125 à 126. Et de 126 à 127. De 127 à 128. Etc. Jusqu'à 10 000. Non, je rigole. Faut pas abuser. Vivement qu'il y a les pièces là. Vivement qu'il y a ces pièces. Bon les gars, moi je dois quitter. Hein. Yo les gars, je dois aller manger. Sniff. Elle est triste la vie. Hein. Ouais je sais. Bon bah je reprends dès que j'ai fini de manger. C'est-à-dire ellipse de 1 seconde pour vous, ellipse de 1 demi-heure pour moi. Allez. 3, 2, 1, ellipse d'une demi-heure. Ah oui, et pour vous prouver que ça fait bien 1 demi-heure que je fais, genre, je vous montre le tab. Voilà, vous voyez toutes ces personnes? Bah, vous verrez que ça aura vachement changé au bout d'une demi-heure. Ok, les 20 minutes, enfin les 30 minutes sont écoulées, du coup, bah, je peux pas, quoi, parce que, bah oui, vous m'avez compris, hein. Bon, allez, on va toujours regarder si je suis dans le top, même si en vrai, si je suis pas dans le top, faut tryhard. Mais en vrai, je pense quand même que je suis dans le top, hein. Il y a intérêt. 26, ouais, je suis dans le top. Est-ce que j'ai perdu des places? Je suis 80e. Je ne pense pas avoir perdu des places, hein. Je pense plutôt en avoir gagné. Donc c'est cool. Après, peut-être avant j'étais 79e, peut-être j'en ai perdu une ou deux, je sais pas. Bref, objectif. Non, pas top 1. Non, top 1, c'est impossible. Objectif, top 10. Non, top 50, sûr. Déjà top 50. Et après, top 10, on verra. Mais d'abord, top 50. Et après, top 1. Ah, déjà top 75. Donc, ça sera bien, hein, top 75. Après, top 50. Après, top 25. Après, top 10. Après, top 5. Et après, top 3, top 2 et top 1. Si on arrive top 1, si j'arrive top 1, franchement, ça serait grâce à vous, hein. Mais bon, les chances que j'arrive top 1 sont extrêmement faibles, sachant que je suis à 126 et il y a 1 000 et que c'est le tout début. Et le jeu est sorti il y a à peine un mois et le gars il a déjà fait 1 000, donc là il est capable de faire beaucoup plus. Donc à tout moment, il se rappelle de ce jeu, il fait 4 000 ans. Donc c'est pour ça que c'est chaud. À tout moment, quiconque se rappelle du genre quiconque de YouTube ultra connu fait une vidéo sur ce jeu, c'est bon, c'est la fin pour moi, hein. Je me fais dépasser. Par contre, si un YouTuber connu il fait une vidéo là-dessus, ou un TikToker ou je sais, puis je sais pas, mais quelqu'un de connu qui joue à ce jeu, qui parle de ce jeu, franchement, je suis dead, hein. Ça va me faire détruire. C'est pour ça qu'il faut pas parler. Sinon, un millilôme se fera défoncer dans le leaderboard. C'est triste, hein? Ouais, je sais. Bon, c'est pas grave. Allez, go, go combien? Go beaucoup. Ouais, go beaucoup. Non, go top 75. En vrai, ça serait bien. Si là, après. Non, il n'y a pas du tout de se passer un truc bizarre là. C'est faux, tu peux faire comme ça. J'aime spam. Ah la barre! Oh la deuxième barre! Ah bah c'est bon. La deuxième barre, on nous a remis droit. Let's go! Ça tourne mon perso ou pas? Non, ça tourne pas du tout mon perso.
Par contre, si je suis en terre ferme, ah bah là c'est pas la même. Hein. Ah là, la selle tourne. Ah, en plus, ça vient d'être rivet, nickel. Est-ce que je suis dans le top 75? Ça vient d'être rivet, ça veut dire que je suis à 128. Non, 77. Bon bah, je vais faire encore un truc pour être top 75. Hein. Uno c'est tout le quos et c'est bon. Oh y'a un gars, il a des ailes trop stylées. Je vais faire le sion pour une fois. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait le sion. Et je veux toujours tout le temps tout le monde le faire. Alors que l'orange est le meilleur. Avant je faisais le sion. Vous allez me dire polké parce que je croyais que ça allait plus vite. Mais en fait je suis toujours pas un hein, qui c'est qui va le plus vite entre le sion et le. Et l'autre là, le orange. Je pense que c'est le orange, mais en vrai, c'est grave possible que ça soit le sion. Hein. Même si je déteste le sion. Parce que... La fin est horrible. Juste la fin. Pourquoi t'as tout gâché la fin? Y'aurait pas eu cette fin horrible? Franchement, je l'aurais fait plein de fois. Si la fin était assurée, j'aurais fait plein de fois. Et je pense que c'est un bug, hein, parce que... Normalement, on est bien censé tomber en chute libre. Après tout ce qu'on a fait, pas tout ce qu'on a fait, on a fait, on n'a pas fait beaucoup, mais imaginons on a fait beaucoup. Après tout ce qu'on a fait, cette fin pourrie, comme on la mérite pas. Imaginez après tout ce qu'on a fait, on tombe dans le jaune, oh le cauchemar, ou dans le rose. Je sais pas c'était quoi le plus long entre le jaune et le rose, mais franchement les deux c'est l'enfer. Eh ben je tombe dans le rose. Oh non, dans le jaune, mais la vie me déteste ou quoi? Je suis tellement rose, j'étais heureux de pas être dans le jaune. Qu'est-ce qui se passe, ma bille? Elle traverse le mur et elle tombe dans le jaune. C'est quoi ça? C'est le monde qui me déteste? C'est possible, hein? Si le monde me déteste, je n'ai pas gentil. Voilà. Fin de la chose. 50 années plus tard. C'est très beau, je vais rester comme ça. C'est trop beau, je vois toutes les couleurs. Waouh. Ah non, c'est fini. Alors, regarde, c'est pas fini. Tada. Waouh, c'était vraiment... C'était stylé, on va pas se mentir. Allez, go orange. Go orange. Allez, si jamais vous voulez que je vous explique l'orange, y a pas de soucis, hein, je peux, parce que je sais qu'il y a plein de mécaniques bizarres dans l'orange. Donc, je peux toutes vous les expliquer, hein. Ouais. Ouais. Prochaine partie. C'est le gars qui fait des astuces pour avoir plus de win. Comme ça vous fait patienter. En vrai, vous patientez que dalle, vous patientez une seconde, moi je patiente une demi-heure. Ok, c'est bon, je vais pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est le gameplay. Alors, on commence déjà, il y a une petite crevasse qui nous fait aller pas très vite. On passe dans un anneau qui sert à rien. Et d'un coup, grand tremplin et on arrive dans une sphère orange. Je sais pas expliquer. Après, grande descente, paf, montée, et là, il y a une corde qui tourne pour pouvoir orienter, après boucle, après paf, descente de ouf, petit zigzag, après avec la force on tape le mur, on tombe dans le trou, on revient en arrière, et un petit truc pour nous empêcher d'aller vite, après slalom sans sécurité, c'est à dire à tout moment tu tombes, après on tourne autour d'un truc extrêmement moche, d'un entonnoir noir qui est plutôt moche, hein. on va se l'avouer, hein. Qui est plutôt pas beau. Et après c'est la fin. Après un gros tremplin, tu tombes toute la map là et voilà. Enfin, la fin est épique. Hein. Ah, maintenant vous savez tout du niveau. Et aussi vous savez que je vais pas expliquer. Voilà. Let's go, 14e. Je suis fier. Ok, pour top 50, faut être combien? 155. Ah! Et top 25? 207? 208? What the heck? Pour le top 10, j'ai peur. Oh, 280. Ah, ah, ça fait mal. Ah, bah ça me fait. Le premier état
1036. Deuxième à 777. Très marrant, hein. Voilà. Maintenant, vous savez tout du niveau, vous savez tout que je sais pas expliquer. Et vous savez que je suis dans le top mondial. Ce sera la fin de cette petite vidéo. Sur ce, au revoir. Mais, il y a toujours un mais, hein. Si vous regardez la fin de cette vidéo, franchement, GG. Parce que là, je vais faire un petit time-lapse de chaque fois que je gagne une win. Et je vais gagner, genre, je sais pas combien de win, mais pas mal, je pense. Hein. Allez, let's go. Petit time-lapse. Ok, je peux tout bien faire, moi. Allez, s'il vous plaît, dites-moi si je suis dans le top. Dans le top, je sais pas combien, mais dans le top. Ok, je suis là. 65e, j'ai gagné 10 places. C'est bien. Hein. Ah. Franchement, 65e, c'est carré. Moi, je suis très content de 65e. Allez, moi je ferme dans mon coin sans personne. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!